Hôtel Étrange, c'est donc une série jeunesse, une série d'albums jeunesse, de 6 albums jeunesse, qui sont publiés chez Sarbacane, qui sont traduits aujourd'hui aux États-Unis, en Chine et en Pologne. Et c'est l'histoire d'une petite pension de famille, en fait, un hôtel avec 5 personnages qu'on retrouve dans chaque album, avec une histoire qui se termine à la fin de chaque livre aussi. Et on peut dire que c'est une bande dessinée première lecture, première bulle, voilà. Et c'est parti d'un désir vraiment commun à Florian et moi de faire une bande dessinée pour les enfants qui commencent à lire. D'abord, il y a eu une inspiration écrite. Même on peut dire que la naissance de Hôtel Étrange, c'était d'abord un petit roman que Florian a écrit et que j'ai eu envie d'illustrer. Et ça ne s'est pas fait. Et depuis toujours, j'ai eu envie de faire de la bande dessinée. Ça remonte, j'ai fait l'atelier de bande dessinée d'Angoulême, donc c'est vraiment un désir qui remonte à loin. Et on s'est dit pourquoi pas faire cette histoire en bande dessinée. Donc on avait ces personnages avec un caractère assez fort. Et de là sont partis des croquis. Et ça commence toujours comme ça, un papier crayon et puis des recherches graphiques. L'inspiration, elle est venue vraiment d'une envie de faire un univers totalement imaginaire. Une envie de mélanger des personnages qui ne se ressemblent pas forcément physiquement, on va dire, avec des humains, des créatures fantastiques, Hôtel Étrange, c'est ça. C'est vraiment un univers qui parle de thèmes universels, on va dire, un peu dans la réalité, mais transposé dans un univers totalement imaginaire. Voilà. Ce qui m'a aidée dans le fait d'être dans l'édition jeunesse depuis des années, beaucoup de boulot de commande en fait. Ce qui m'aide le plus et encore aujourd'hui, c'est l'envie de travailler pour les enfants et d'écrire quelque chose pour eux. Même si l'histoire qui naît dans notre tête, au fond, c'est assez égoïste, c'est une histoire qu'on invente, qui est là et qu'on a vraiment envie de mettre sur papier. Et ce qui m'aide le plus, c'est évidemment l'expérience des contraintes qu'on peut retrouver dans l'illustration jeunesse. Des couleurs, souvent on vous demande des choses très colorées, mais moi ça me vient naturellement parce que j'aime les couleurs. Et l'histoire des onomatopées, ou on peut dire des codes graphiques qu'on retrouve dans la bande dessinée, ça me vient et ça nous vient de l'amour qu'on a pour la bande dessinée dite classique. La bande dessinée belge, la bande dessinée Spirou et Fantasio, même les Schtroumpfs. Vraiment, ça reste pour nous, dans la narration, quelque chose d'efficace. Et je pense qu'on s'en inspire pour tout ce qui est le storyboard et la façon dont se déroulent nos histoires. Même si après, c'est complètement transformé par la fantaisie de notre univers. C'est assez compliqué. C'est compliqué. En même temps, on a chacun notre place. On va dire qu'en gros, je dessine et Florian scénarise. Mais au départ, on a une idée en commun. Et puis après, c'est du ping-pong. Voilà, on fait un échange d'idées comme ça entre nous. Et puis, une fois qu'on est d'accord sur une histoire, Florian rédige un synopsis, me le fait lire, et puis si je suis d'accord, là, il part sur les scénarios dialogués. Mais souvent, on change au fur et à mesure du storyboard. Donc, on travaille aussi ensemble sur un premier découpage. Pareil, c'est une sorte de brouillon sur lequel on se met d'accord. Après, Florian part, lui, sur un storyboard plus au propre, je dirais. Et là, souvent, à ce stade-là, ça change. On peut changer un peu au niveau des dialogues, au niveau des gags. Par exemple, on est incapable d'écrire les gags ou certains rebondissements du début jusqu'à la fin d'un premier jet.
Ça nous vient au fur et à mesure. Moi, il me faut 9 mois à peu près pour dessiner l'album. Donc, il nous arrive de nous dire « Ah, mais non, plutôt, si on faisait ça ici, si Kaki, le personnage qui est un peu le trublion de la bande, se comportait comme ça, ça déclencherait ça ensuite. » Et voilà, là, ça change. On travaille en collaboration, on va dire, sur les 9 mois. Même si on part, évidemment, et si on soumet à notre éditeur un scénario assez poussé au départ. On avait vraiment envie d'écrire et de créer un univers qui ne soit pas manichéen. J'ose dire qui ne soit pas à la Disney, avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est vraiment parti de personnages qui nous ressemblent au fond, voilà, avec un caractère commun et une petite famille. Hein, on s'inspire d'enfants qui nous entourent, de nos enfants à nous, d'anecdotes qu'on nous raconte. Et ils doivent apprendre à vivre ensemble dans cet hôtel qui a un gros chalet à la montagne, qui est aussi un chalet qui existe. Donc en fait, on a créé un univers totalement fantaisiste et imaginaire, mais qui part de lieux qui existent et que j'adore. Hein. J'adore dessiner la nature, j'ai longtemps vécu dans la forêt ou à la campagne, donc c'est quelque chose qui me touche. Alors évidemment, Hôtel Étrange, c'est un univers qui se passe dans la nature, les histoires se déroulent aussi au fil des saisons, ça, les saisons sont très importantes, c'est intemporel. Je dirais, il n'y a pas non plus de téléphone ni de télévision. Parfois, on s'éclaire à la bougie. Donc, en plus, c'est un retour à des valeurs qui nous touchent. On avait plus envie de parler du quotidien, de la vie dans une maison, de la vie de personnes qui vivent ensemble, d'une petite communauté, plutôt que de partir sur une aventure qui serait construite sur un méchant et des gentils, et on doit résoudre le problème avec la problématique d'un méchant qui surplombe tout ça. Alors c'est un peu comme quand on demande à une maman quel est votre enfant préféré. Je dois dire qu'il y a un petit peu de moi dans chacun des personnages. Voilà, c'est vraiment pas un personnage particulier. Mais du coup, c'est vrai que pour écrire une histoire, on caricature un peu le caractère de chacun des personnages et aussi leur physique qui doit être bien reconnaissable, même en silhouette, je dirais. Mais moi, je les aime tous et je me retrouve, et je pense que Florian se retrouve dans chacun des 5 personnages d'Hôtel Étrange.